Yon nan lot kandida a la prezidans BCEDA Baykane provizwaman se Dr. Antoine Joseph. Nou te renkontre l tou nan Bedwes 1, kote li anonse li pral fè apel kont desisyon pou yo retire nol sou lis kandida a la prezidans yo a kos de chaj li pa genyen pou jesyon nan tèt chanm depite ya pou peryode 1993-1994. Ansyen dirijan PHTK a eksplike li remet de chaj la kou de kont te bali ya e li te kandida ak dokiman sa pendant 2 fois deja. Li di li sezi wè dosye la menm jan ak ansyen prezidan Senat Simon Dusel Dera yo aksepte aloske yo ekate pal la. Dr. Antoine Joseph. Mon jugement et que bureau contentieux électoral départemental la sorti, li di que Dr. Antoine Joseph pa gen décha ki habilité pou participer nan élection, mais cependant ça pa vle di que vraiment que m pa participer parce que gen recours, gen bureau contentieux électoral national et c'est là que nou pralé. Donc nou menm nou te vinn la pou nou te gade ce qui sak nan jugement. Nous perdons du temps, nous l'île, nous comprenons ni et nous estimons que ça a été injuste et nous avons dit pour qui ça. Et là, nous lisons le jugement, nous avons dit que nous avons des charges, mais des charges là octroyées par la Cour supérieure des comptes. Et pour eux-mêmes, c'est la Chambre des députés qui devrait octroyer la décharge à un ancien président de la Chambre des députés. Je vais vous remarquer que nous étions président de la Chambre des députés de janvier 1993 à janvier 1994. Donc c'est dans la période ça. Donc nous tout comprenons. Ça fait environ 21 ans. Et je vais faire référence tout à l'heure pour montrer nous que quantité d'années ça veut dire. Quantité d'années ça veut dire que je suis supposé bénéficier de prescription. Je n'ai aucune poursuite. Normalement, je n'ai pas besoin d'échange pour venir inscrire après 20 ans, selon la loi. Mais comme je connais que j'ai fait mes exigences, moi, je prends précaution, je viens quand même avec des charges. Et qui institution qui délivre mes charges là? C'est l'institution qui autorise ça. Ça, c'est le Cour supérieur des comptes, qui est lui-même qui est plus fort. Lui-même qui a appliqué la loi, c'est ça la loi dit. C'est cette institution qui doit donner des charges à ceux qui gèrent les deniers publics. Donc, liban moins. Et depuis qui l'a liban moins? Liban moins depuis longtemps, oui. Ma ban nous preuve. Même dans même là, Kounia, le docteur Antoine Joseph en 99 était candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, mais reçu que le conseil électoral là était ban moins à l'époque. Et ma regardé qui est-ce qui signe là? C'est M. Jean-Max Belrive. Qui à l'époque était le président de Bête de l'Ouest. Mais Lila n'a pas eu que une pièce que le docteur a déposé, c'est document de décharge pardon, de la gestion de fonds publics. Cela veut dire que depuis l'époque, ça, moi j'ai un arrêt de la Cour supérieure des comptes qui demande moins de charges. Malheureusement, le premier document, vu un candidat malheureux encore en 2006, comme il était dans le même rebail conseil électoral, là, encore, même dans l'arrêt de décharge, ça. Et à l'époque, pas de gain à faire. Moi-même, comme de l'homme de président de la Chambre, pas qu'on a fait que la Chambre, qu'on n'y a que, à la fois jugé parti, que c'est lui-même qu'on n'y a que qui a délivré des charges, by caisseur, by président de la Chambre. Non, c'est le Cour supérieur des comptes qui est la seule institution habilitée. Mais maintenant, en 2006, nous reprenons pour nous, moi, je suis candidat, malheureux, c'est vrai, au Sénat. Et mais qui s'est passé? Moi, je suis même certificat de charges là. Je suis bon, mon reçu, je quitte mal dans l'élection, je suis perdu dans l'élection. Mais maintenant, l'homme bral le candidat là, Kounia là, étant donné que le document ça, lui a promis mes pièces, moi, il est perdu dans le conseil électoral là, tremblement de terre fait Kounia que tout archive perdu, je ne peux pas rejoindre. Maintenant, je dis de ce pas, je me dirige vers la Cour supérieure des comptes, puis au ruban moins encore. La Cour supérieure des comptes fait enquête, il fait tout ce qu'on a gagné dans la démarche administrative, il délivre mon certificat attestant, si nous lisons jugement, n'a pas que mon certificat attestant que moi gagne des charges. Bon, imaginez, que moi-même, dans le cas que je devinis sans décharge, là, sans certificat de décharge, je n'ai pas le droit. Parce qu'après 20 ans, je ne vais pas poursuivre le monde. Qui ça décharge là, vous dit? Décharge là, vous dit que je pas retenu charge contre vous-même dans le géré, denier public. Donc, non seulement je gagne, je n'ai pas aucune charge, même si je n'ai pas besoin de gagner, parce qu'après 20 ans, je n'ai pas que je bénéficie de prescription. Donc, je ne pas comprendre le jugement ça. Moi-même, je dis que son jugement, que nous-mêmes, nous, avec avocat qui est là avec moi, il y a une là-dedans, l'autre avocat, maître Point du Jour, il n'est pas là, c'est maître Fièvre qui est avec moi, nous prenons le cognac que par devant institution de référence, nous prenons le bon recours par devant le bureau du contentieux électoral national. Donc, cela veut dire que clairement, que nous ne comprenons pas le jugement qui sorti là.